Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo news où nous allons parler un petit peu des quelques nouveaux modes qui sont sortis sur ces dernières semaines et que je trouve vraiment intéressants. Et également, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais avoir besoin de vous. Je vais vous poser pas mal de questions sur un petit truc qui va arriver que je vais mettre en place très prochainement. Voilà, allez, à tout de suite! Donc la raison de cette vidéo principalement c'est parce qu'il y a eu pas mal de petits modes, soit des nouveaux modes, soit des mises à jour qui sont arrivés récemment et plein de petits modes super intéressants et donc je vous savais pas trop comment les mettre chacun dans une vidéo, donc je vais faire juste une vidéo avec tous ces modes là, j'espère que ce sera pas trop long et puis voilà, comme ça ouais, je pouvais vous les montrer, vous allez pouvoir en profiter parce qu'il y a des petites perles hein. Alors, on commence tout de suite avec celui-là. Donc, c'est une presse KZH qui, d'apparence, n'a rien de particulier, sauf que, bon, vous le voyez tout de suite ici. En fait, elle a une attache arrière qui permet de faire des combos assez intéressants. Cette presse, on le trouve dans outils balles, évidemment. Vous allez un petit peu plus loin. Juste ici, donc la KZH 8575, le mode, c'est celui-là. Et donc cette case elle est vraiment sympa, donc elle demande que 85 chevaux, elle est déjà assez bien modélisée, elle fait des balles standards à 24 000 litres évidemment, et quand vous allez du coup aller dans le store pour pouvoir vous l'acheter, vous avez soit en mode standard soit avec le petit triangle, donc rien de bien particulier, elle est vraiment peu chère, hein, que 24 000 euros, mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, elle a cette attache arrière qui est vraiment sympa. Alors cette config là, honnêtement c'est celle que je vous conseille, dans le... alors c'est un peu overkill, mais c'est vraiment celle qui marche le mieux, qui est le moins buggée. Il y a d'autres configs possibles que je vais vous montrer après, mais qui sont, bon bref, vous verrez, à vous de gérer. Donc dans cet élément là, donc j'ai un gros tracteur hein. Par contre il faut prendre vraiment un gros tracteur pardon, qui a besoin de beaucoup de puissance, notamment à cause de ça devant. Si vous n'avez pas envie de mettre ces faucheuses là à l'avant, vous n'avez pas besoin d'un gros tracteur, mais si vous voulez faire cet ensemble là que je vous montre, il vous faut un gros tracteur. Celui là bon, c'est un Valtra modé, mais peu importe, vous prenez n'importe lequel. À l'arrière, j'ai une donc un plateau à balles autoload qui marche très très bien, que j'aime beaucoup, qui est le Fliegel TPW, donc c'est ce mode-là. Que vous trouvez également dans balles, on l'a passé un petit peu quand on allait chercher la presse. Donc voilà, c'est celle-ci, les TPW que vous avez en rond et en carré sur plusieurs tailles et qui permettent à chaque fois donc du coup d'avoir plus ou moins grande, plus ou moins beaucoup de balles, sachant donc que ça fait les ronds, les carrés, les gros carrés, donc par exemple avec le Big Baler de 6000 litres, et les toutes petites aussi, donc avec le... Alors je ne rappelle jamais du nom, Giovanni, je ne sais plus, le petit, la petite presse qui fait toutes petites balles que vous pouvez prendre à la main, ben, vous avez aussi ce pack qui est compatible, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc quand vous allez dessus, pas grand chose, donc juste alors les couleurs du motif, donc ça fait donc les deux gris, donc la grille qui est à l'avant, pouvoir mettre une aussi à l'arrière, couleur des jantes, couleur principale, vous pouvez changer la marque des pneus, voilà, peu importe, le coloris du châssis en dessous, voilà, et vous pouvez la mettre autoload ou non, donc voilà, ça c'est plutôt sympa, si vous voulez pas, vous pouvez la prendre tout à fait sans autoload, elle est très très bien, et avec système d'attelage, c'est ça qui est vraiment, qui fait toute la différence, c'est que vous pouvez du coup en mettre plusieurs les unes après les autres pour faire un petit train. Et donc avec l'extension, oui ou non, pour les fourragères. Et bon, la petite déco, voilà, ça c'est pas super important, mais donc voilà votre Fliegel. À l'avant, alors j'ai le pack de faucheuses, c'est pas le même que je prends d'habitude. D'habitude je prends le Pottinger Vario. Ici c'est un pack qui a été mis à jour et qui permet de faire la même chose mais de façon encore plus simple. Donc c'est le Mower Pack tout simplement, donc le mode c'est celui-là. Et donc vous allez là par contre dans faucheuses, donc celui-là... Celui-là, c'est celui que je prends d'habitude, hein, le Pottinger Nova 4 Varia. Et en fait, vous avez les Universal Mower qui sont ceux-là. Donc, vous avez soit une coupe comme ça, que vous mettre à l'avant, à l'arrière, qui est déportée sur le côté, soit une coupe frontale et la coupe papillon, donc qui fait 8,4 mètres au total. Donc, pareil que celle-ci.
Le, ce qui est trop bien aussi avec celle-ci, c'est qu'il y a énormément de marques, donc vous pouvez vraiment les accorder avec votre ferme. Dutz, Krone, Neverland, Fendt, John Deere, Case, Class, Massey Ferguson, Kuhn, Pottinger et Krone. Et voilà, on refait le tour. Donc moi, je les ai mis en case comme, comme la presse, donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc, si on monte dans le petit tracteur, on met en route. Voilà, je remets la fenêtre dead. Donc là, alors là, c'est là où il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de, d'attachements, il va falloir tout arriver à activer comme il faut. Donc bien se placer sur les bons trucs. Donc là, je suis sur la faucheuse papillon. Donc à la base, elle est plutôt levée. Donc là, il va falloir la baisser. L'avantage, c'est quand vous le, les attachez comme ça. Hein. Donc là, si vous regardez bien, voilà, j'ai attaché les deux faucheuses les unes à l'autre et ensuite j'ai attaché à l'avant de mon truck, enfin de mon tracteur, ce qui fait que ça, voilà, ça permet d'avoir tout devant au niveau des faucheuses et de faire cet ensemble magique. Ensuite, donc vous pouvez faire donc activer, faut aller sur celle d'après, vous faites aussi activer, ouais, il commence à turbiner. Ensuite, on est passé donc sur le tracteur, là on passe sur la presse, donc on va baisser le ramasseur. Voilà, on va activer la presse. Alors il fallait aussi bien sûr la déployer, hein. Moi je l'avais déjà déployé parce que j'ai déjà commencé à ramasser un petit peu de balles. Ensuite, pour la remorque à l'arrière, bien la mettre en position de travail. Et alors là, il y a un truc qui se produit, je sais absolument pas pourquoi, j'ai de l'espèce de fumée. Bon voilà, peu importe. Il y a pas mal de trucs bizarres avec ce, cet ensemble. Et là on avance. Alors bon, vous voyez que j'ai déjà commencé à faucher, mais en tout cas ça vous permet de faucher, de faire vos balles. Et en même temps, vous allez voir, directement, voilà, ça la met sur le plateau. Et donc ça, ça marche vraiment très très bien. Donc ça, c'est la première fonction, première possibilité. Donc là, hop, je vide. Vous voyez, ça se met dessus et pour la plier, en fait, voilà, vous avez juste ça à faire. Ça monte, ça descend. Et comme vous voyez, donc c'est tout simple, hein, il n'y a rien de particulier. Vous venez, hop, ça s'attache. Voilà, il n'y a rien de, de bien particulier à faire. Donc ça, c'est la première possibilité d'ensemble. Donc vous avez cette deuxième possibilité, donc toujours avec les faucheuses à l'avant, toujours la presse, et là avec l'enrubaneuse de base, hein, que vous trouvez dans outils balles. Alors, vous avez besoin en plus du front lifter pour mettre pour l'attacher, donc c'est un mode, c'est un peu spécial. Honnêtement, vous embêtez pas avec ça, ça marche pas très bien, c'est très buggé. Vous pouvez arriver parfois, vous voyez, hein, j'ai réussi à faire quelques balles, à enrubaner vos balles en passant, mais bon, ça, ça, bon, vous y arriverez pas quand même. Ça remplacera pas la presse modée du pack Neverland, qui est absolument magnifique, magique, mais payant bien sûr. Donc bon, non, ça marche pas très bien. Le deuxième qui marche pas du tout, moi je voulais quand même vous le montrer, c'est celui-là. Je me suis dit, bah avec le pack pareil, le DLC Anderson, qui est payant aussi, hein, je vais essayer parce que bah, du coup il y a une ouverture qui est complètement droite. Donc jusque-là, ça allait. En plus, c'était direct dessus, ça marchait, ça avait l'air de marcher plutôt bien. Mais en fait, ça fait des bugs de ouf au niveau de l'enrubanage. Ça saute dans tous les sens, une fois que vous l'avez fait, ça saute encore dans tous les sens. Et également, alors je pense que je vous mettrai une petite vidéo là, des balles, mais aussi de ce qui se passe quand donc vous fermez votre jeu, vous sauvegardez, fermez votre jeu, et vous le rouvrez. Ça se met à vol, ça vole à travers la carte. Je vous laisserai juste regarder ce qui s'est passé, voilà. Alors donc pour info, donc tous mes équipements étaient là où vous avez tous les petits points à gauche et il s'est retrouvé jusqu'ici. Donc tout était attaché, mais comme vous le voyez, alors ça agissait comme si c'était attaché, mais comme vous voyez, la presse, enfin l'enrubaneuse était à 200 mètres plus loin et du coup, et j'arrivais même pas à démarrer le moteur tant que j'ai pas séparé, enfin bref. Voilà, le pire c'est qu'en fait quand je me suis connecté, j'ai vu un truc dans le ciel, je me suis dit tiens, il y a des avions maintenant sur la map de Jim, et en fait non, c'était le truc qui était en train de voler, et voilà ce que faisaient les balles toutes seules.
Donc bon, ça marche à peu près, hein. Ça peut vous faire le truc si vous n'êtes pas trop pressé. Mais bon, je vous laisserai essayer à vos risques et périls. En tout cas, c'est assez rigolo. Et un conseil, une fois que vous avez fini, avant de quitter votre partie, détachez bien l'enrubaneuse pour éviter qu'elle vole dans le ciel, qu'elle se retrouve à moitié de la carte. Donc voilà, donc ça c'était nos petits modes avec la presse. Ensuite, l'autre mode que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Donc c'est un nouveau mode de spray. Alors pourquoi je voulais vous le montrer? Tout simplement, donc il est plutôt bien fait, hein, donc il est ici. La différence avec les deux de base, alors il est beaucoup plus cher que le moins gros des deux qu'on a de base, avec une capacité qui est un peu moins élevée, avec un peu moins d'essence, enfin avec un tout petit peu plus de chevaux, et carrément moins de chevaux que celui qu'on avait, le plus grand qu'on avait de base, avec beaucoup moins de capacité. Pourquoi est-ce que je vous le montre? Ben en fait, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est sa vitesse. Alors, 42 mètres de spray, bien sûr, mais aussi sa vitesse de déplacement pendant qu'il travaille, c'est 30 km/h. Et c'est, à ma connaissance, le pulvérisateur autoporté le plus rapide du jeu. Donc je pensais que ça pouvait être intéressant pour certains d'entre vous. Donc vous voyez, on a plutôt... fait un bruit sympathique, on a plutôt une 42 mètres, hein, c'est plutôt assez long. Et donc on va... Donc vous avez au début plié... Voilà, donc nous on l'a déplié. Vous avez donc la possibilité d'écarter, voilà, comme ceci, écarter ou rapprocher vos roues. Vous avez la possibilité aussi de monter comme ceci, ce qui est plutôt rigolo. Donc avec R1 et R comme ceci, et avec R1 et toujours R en haut en bas, vous avez la possibilité aussi d'adapter en fonction de terrain haut ou bas. Donc on va activer le pulvé et donc là vous voyez, vous allez pouvoir monter à 30 km/h, et 30 km/h avec 42 mètres de portée, bah, c'est super rapide, hein. C'est super rapide. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour certains d'entre vous. Donc voilà le mode. Et qui nous lie du coup au mode suivant, qui est celui-ci. Alors c'est le plateau qui est ici. Donc ce plateau, vous allez le trouver dans divers, dans outils divers. Il est tout au fond. Voilà, c'est celui-là, le Step Deck Trailer LPM85 d'IBM, qui coûte 35 000, qui a une contenance de 40 000 litres, vous allez voir, et qui, du coup, donc vous allez pouvoir changer la couleur principale, la couleur du motif. Donc le motif, en fait, ça va être tout simplement les réservoirs que vous avez vus dessus. Donc vous avez la possibilité de le prendre juste en plateau classique, qui est assez long, hein, qui est vraiment très long, vraiment sympa, avec des rampes qui sont bien sympas aussi. Avec donc soit le plateau classique et 10 000 litres, un réservoir de 10 000, plus les rampes, 20 000 plus les rampes, 25 000 juste comme ça avec le plateau au milieu. Alors celui-là, je le trouve pas très très... vous me direz en commentaire à quoi vous pensez ça peut servir comme ça, parce que moi je vois pas trop l'utilité. 25 000 comme ça, juste en plateau classique. Alors oui, oui, vous pourriez par exemple charger au milieu des balles, des choses comme ça, effectivement. Donc la même chose mais avec l'arrière dégagé, et 25 000 avec les rampes. Moi c'est ce que je trouve le plus pratique en termes de versatilité. Et enfin 40 000, donc 40 000 litres de réservoir pour votre engrais liquide et votre herbicide. Donc ça vous fait en fait un réservoir sur roue pour pouvoir alimenter dans vos champs votre pulvérisateur. Donc c'est super sympa. Sur console, il me semble pas qu'on avait eu ça encore. Et avec la possibilité d'avoir les rampes, vous pouvez y attacher, donc bon, mon petit Alix d'amour, vous pouvez y attacher également un autre véhicule à l'arrière. Donc s'il en fait quelque chose de vraiment très 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 versatile, honnêtement, ça fait aussi un très bon plateau de transport pour les missions. Je trouve vraiment, enfin voilà, il y a quoi faire, vraiment beaucoup de choses. Donc... ce qui est intéressant, donc voilà un petit peu comment ça se passe. Alors vous faites
L1 et croix pour déployer les rampes. Donc qui sont. Alors, il n'y a pas d'animation. C'est un petit peu dommage. Franchement, ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais il y a quelque chose qui compense largement. C'est ça. Combien de fois vous avez eu une remorque avec des rampes et selon ce que vous aviez comme véhicule, vous avez galéré, soit elles étaient trop étroites, soit elles étaient trop larges et c'était la misère et c'était les sueurs pour essayer d'arriver à monter comme il faut. Là, vous pouvez complètement l'adapter et ça, je trouve ça génial. Avec bien sûr les sangles, hop, avec le talis qui est sanglable, bon ça c'est trop bien. Mais voilà, donc c'est absolument génial. Et donc là, on rentre. On amène nos 25 000 litres vers notre pulvérisateur. Et alors, j'ai pas encore testé, je vais le tester avec vous. Je pense qu'il peut arriver à se charger tout seul. Et donc là, vous venez juste à côté, vous appuyez sur L3 et ça vous le remplit directement. Donc plutôt sympathique. Également, avant de finir, donc vous pouvez aussi avec R1 et L3 changer le mode de direction, donc soit juste les roues avant, soit toutes les roues, soit encore L3 pour avancer en crabe vers la gauche, soit encore L3 en crabe vers la droite, et enfin que les roues devant. Voilà, donc ça c'est classique des pulvérisateurs, mais je voulais vous le montrer. Le mode suivant, en fait, c'est un mode, c'est des modes, donc c'est la marque Robert qui est arrivée sur console, et Simulagri a fait deux types de modes, donc ils sont ici. Et donc ces modes, vous allez les trouver dans Animaux. Voilà, donc ils sont là. Alors il y a deux modes, mais il y a trois versions. Vous avez Hydropaille Autoload, Hydropaille Classique. Donc ça va être des pailleuses tout simplement, mais qui acceptent l'herbe, le foin, l'ensilage et la paille. Ce qui permet aussi d'en faire des déchiqueteuses. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, surtout avec l'Autoload, venir prendre votre balle, la mettre dedans et la déchiqueter et la charger dans autre chose. Alors c'est possible à faire. Honnêtement, l'Autoload, elle est un petit peu buggée. Alors je pense qu'il y aura une mise à jour qui va sortir. Parce que pour l'instant, c'est un peu bizarre au niveau du visuel, donc c'est pour ça que je vous la montre pas vraiment. La BMW 33 qui est en fait une mélangeuse, donc qui fait que 3300 litres, mais qui est quand même très sympa, qui fait une bonne déchiqueteuse aussi, donc elle peut prendre voilà tous les éléments qu'il y a ici. Il n'y a pas du tout de modification, mais voilà, c'est celle-ci. Alors c'est uniquement sur les télescopiques que vous les attachez, en tout cas j'ai trouvé que sur les télescopiques, dites-le moi si vous avez réussi à les mettre autre part. Donc c'est une mélangeuse, donc vous avez bien les trois fourchettes en bas à gauche. Avec L1 vous avez activé la mélangeuse, ça on n'a pas trop s'en servir. Vous avez donc les modes classiques, R1 vous avez donc pour ouvrir et fermer le petit godet, donc nous on va l'ouvrir. Et voilà, pour étendre. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, elle est autoload. C'est-à-dire que vous allez, alors, entre guillemets, autoload. Donc, vous arrivez vers la botte et hop, elle l'a chargée tout de suite. Et donc, vous avez votre ensilage qui est dedans. Et après, vous n'avez plus qu'à vous approcher d'ici. Hop. Donc bien vous mettre au-dessus par exemple de la remorque que vous souhaitez ou du silo, R1 triangle, et du coup bah, vous venez vider votre ensilage directement dans la benne. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Elles ont très peu de capacité, mais je trouve qu'elles sont jolies. Et puis encore une fois, c'est une marque française, faite par des modeurs français. Donc c'est toujours bon à vous présenter, à en faire la promotion. Et du coup, bah, ça marche bien avec tous les types de bottes. Hein. Donc là, pareil, le foin, hop, ça a chargé directement. Et vous pouvez faire tout à fait la même chose. Ensuite, le mode que je voulais vous montrer par la suite, c'est le Road Runner Plus. Franchement, je l'ai essayé comme ça, juste pour voir, et honnêtement, c'est tout simplement le semi le plus complet du jeu, et je pense le mieux fait du jeu. Après, le look, voilà, on est vraiment sur un look gros camtar américain,
On aime ou on n'aime pas. Bon, nous Français, peut-être qu'on apprécie un petit peu moins, mais ça sera un peu moins réaliste, en tout cas sur nos routes ou sur des maps européennes. Mais vous, je pense que vous ne trouverez pas plus complet et plus détaillé, mieux fait que celui-là. Voilà, je le dis tout simplement, c'est pas possible. tout simplement. Donc, ce mode, c'est celui-là. Vous allez le trouver évidemment dans les camions. Il est tout à la fin. Alors presque tout à la fin. C'est celui-là, le Roadrunner Plus. Donc qui va jusqu'à 120 km/h. Voilà. Donc vous avez déjà, première chose, énormément de couleurs. Voilà, un petit peu toutes les couleurs que vous avez. Vous avez à chaque fois sur ces couleurs vraiment spéciales, donc toute la partie haute. Après, là, on tombe sur des couleurs un peu classiques. Mais toute la partie haute, ça représente quand même 48 couleurs spéciales à ce mode. Je les avais jamais vues avant. Vous avez à chaque fois la version métallique, la version chrome et la version satin. Version métallique, vous allez avoir un bleu, voilà, métallisé. La version chrome, vous aurez vraiment encore plus bling bling, très chrome. Et la version satin, moi, c'est celle que je préfère en fait. Vous avez un petit peu plus satiné, un petit peu plus aussi réel, je dirais, pour les couleurs. Là, en fait, on retrouve un petit peu le Nitro Blue de David de 82 Studio. On retrouve aussi, par exemple, le satin orange. Ça va être un peu le Blaze Orange que j'aime beaucoup, que j'ai mis sur ma version à moi. Donc, la couleur principale, ça va être tout ça. La couleur des jantes, vous avez pareil, les mêmes types de couleurs. Par exemple, en yellow, on peut mettre en chrome yellow, on peut mettre voilà, en satin yellow. C'est très joli. Et la couleur du motif, en fait, vous allez voir, je vais le mettre en synthaway pour que ça se voie. Donc, c'est tous les éléments que vous avez ici. Voilà, ça se voit beaucoup mieux comme ça. Vous avez tous les éléments que vous voyez ici, donc qui sont cette couleur du motif. Ensuite, donc il y a plein de choses sur ce camion. La marque des pneus, vous avez soit Lizard, soit Trelleborg, soit Michelin, soit Nokian. Soit de nouveau Lizard. En Lizard, vous avez soit en jante double, mais de cette forme-là, vous avez voilà 5 jantes différentes. Dans les autres marques, vous avez qu'une seule type de jante, mais je les trouve quand même très très jolies. J'aime beaucoup les Michelin. Au niveau, vous avez de l'aile, donc vous avez soit la couleur de base, soit la couleur du motif, soit en rond comme ça les deux. La même chose, soit juste devant, soit rien du tout. Alors que nous, on a laissé avec les deux qu'il y a devant. En plus, ce qui est sympa, donc on va voir après. Ensuite, alors, le truc génial, vous avez un 3 points arrière. D'accord ? Donc, vous avez un 3 points arrière que vous pouvez mettre, ce qui est déjà super bien. Vous avez un 3 points avant avec prise de force. Ce qui est, waouh, encore mieux. Enfin, ce qui existe déjà dans certains camions, mais ce qui n'existe dans aucun camion. Vous pouvez avoir les deux, 3 points avant. 3 points arrière, prise de force des deux côtés. Voilà, je vous laisse un peu imaginer. Vous pouvez faire. Alors, j'ai pas essayé, mais je pense que vous pouvez aller labourer des champs avec celui-là. Surtout que niveau chevaux, comment dire. Donc là, de base, on va être à 790 chevaux. On peut monter à 950 chevaux et à 1800 chevaux. Voilà, juste pour le poser un petit peu là, 1800 chevaux. En décalcomanie, on a, donc c'est les petits oiseaux, hein, les petits roadrunners, là, comme Bip Bip, hein, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé, mais en fait c'est ça, roadrunner en anglais, c'est le Bip Bip. Donc voilà, c'est l'oiseau, vous pouvez l'avoir en fait donc à plein d'endroits différents, voilà. Donc ça c'est le mode que j'ai ici. Je ferai le test juste après, je vous montrerai une vidéo, je vais voir si on peut arriver à labourer avec. Donc voilà un petit peu tout ce que vous avez. Donc un klaxon génial, vraiment vraiment camion très très beau. Les warnings qui sont tout là-haut, très sympa aussi. Les clignots, donc à gauche, voilà, vous avez même une répétition sur le cylindre devant. Voilà, c'est trop beau. À droite, les feux, donc le premier feu comme ça. Comme ça, ensuite avec les lumières qui sont un peu au-dessus et à l'arrière, donc qui éclaire vraiment pas mal, hein. Ça éclaire vraiment bien, c'est très très assez fort. Le recul aussi qui est assez fort, qui est plutôt sympa. Donc soit vous avez carrément multidirectionnel, d'accord, avant-arrière, soit vous avez avec R1 et L3
uniquement les roues avant. Vous reculez, vous avez un, quelque chose de personnalisé. Donc c'est plutôt sympa aussi. Et également, une petite touche encore de réalisme. Vous faites L1 et R. Vous allez pouvoir baisser la vitre. Franchement, ça va être trop génial en roleplay. Pareil avec R1 et R pour l'autre côté. Si vous êtes trop chaud pour faire un petit courant d'air. Voilà, donc en vue intérieure, vous avez quelque chose d'extrêmement détaillé. Mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Vous avez la petite couchette à l'arrière. On a envie d'y vivre dans ce camion. Vous avez quelque chose que j'ai jamais vu encore. C'est vous avez l'heure qui est ici et qui est réelle. Si vous comparez les deux avec l'heure qui est en haut de mon HUD et l'heure qui est là, c'est les mêmes heures. Donc c'est absolument génial. Et bien sûr, vous voyez absolument tout. Donc là, c'est parce que j'ai activé les gyrophares. Hop, première illumination, ça illumine. Premier éclairage, ça illumine. Mon tableau de bord aussi, le deuxième, le troisième, les feux anti-brouillard et de nouveau on éteint les clignots à gauche, à droite. Voilà, vous avez tout, c'est génial. Le klaxon à l'intérieur. Vous avez également, donc si je mets L1 et R1, la position du siège. Regardez, là hop, ah non, mais je suis plus grand, j'ai besoin de pouvoir plus haut. Ou alors de m'avancer ou de me reculer. C'est, franchement, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un camion. Alors dites-moi si ça existe sur d'autres modes. Mais voilà, il est trop bien. Il est vraiment, vraiment magnifique. Donc, vous avez, au niveau des caméras, vous avez donc la caméra interne, vous avez la caméra externe, vous avez une autre caméra pour pouvoir vérifier, par exemple, si vous avez une remorque, l'arrière de la remorque qui se passe autour, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas fini. Vous avez encore une autre caméra pour venir vérifier à l'arrière de l'arrière de l'arrière et qui va, du coup, très loin. Donc, voilà. Pour les vidéos, ça va être nous permettre de faire des vues aériennes. Trop bien. Voilà, rien qu'un petit détail comme ça, mais aussi de vérifier ce qui se passe à l'arrière de votre deuxième remorque. Alors, je vous en avais parlé, la voilà, vous pouvez effectivement tirer la charrue avec, avec ce Roadrunner Plus. Bon, la petite différence, c'est que vous avez besoin d'avoir du front lifter. En fait, ça, c'est pas un 3 points avec prise de force, c'est un multi-attache que vous avez à l'arrière. Donc, vous pouvez attacher plein de choses, sauf que vous n'avez pas de prise de force. Donc, pour pouvoir tirer ça, vous avez besoin du front lifter qui est donc dans divers. Donc c'est un mode, évidemment, un outil divers. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous ai pas montré exactement ce que c'était. Donc voilà, vous trouvez facilement sur le mode hub, front lifter, voilà. Et donc avec plein de couleurs possibles. Et évidemment, avec ces 1800 chevaux, aucun problème pour tirer ça. Voilà, pour atteindre le maximum, sans aucun souci. Même en les mettant dans le bon sens. Hein. En tout cas, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai une nouvelle remorque autoload spéciale pour animaux, donc qui est en format semi. Nous, on avait l'habitude jusqu'à maintenant, je vous ai fait des vidéos dessus, donc je vous invite à aller les voir si vous ne les connaissez pas, je vous mets le lien maintenant. Donc pour les moutons et pour les vaches avec le lait, donc pour les moutons, pour la laine, pour les vaches avec le lait, et pour les poules avec les œufs, donc on avait ces remorques-là, donc qui étaient en IT Runner, donc ça veut dire que vous aviez le bras de levage. Et bien maintenant, on a cette version-là. Celle-ci, elle était bien, mais elle était un petit poil buggée. C'était un petit peu, des fois difficile, des fois ça buggait, des fois on n'arrivait pas à les charger dedans, des fois il fallait un petit peu jouer avec. Celle-ci, elle marche beaucoup, 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 beaucoup mieux. Donc c'est un pack, c'est-à-dire que dans ce mode-là que je vous mets maintenant, vous avez... Donc c'est dans les animaux, outils animaux. Vous avez voilà ces deux remorques là. Donc pour la laine qui va contenir 28 000 litres de laine. Et pour les œufs, donc ça va contenir 19 200 litres d'œufs. Voilà, donc vous pouvez juste changer les couleurs, la marque de pneus, autocollant. Vous pouvez rajouter un attelage, donc vous pouvez vous faire un petit train. Si jamais vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, une grosse exploitation d'animaux, donc c'est plutôt sympa parce que 28 millilitres à chaque fois, ça représente quand même quelque chose qui est assez important. Et ensuite, l'autre particularité qui est géniale, c'est que vous allez dans Objet Palette et vous allez avoir cette palette-là que vous allez devoir configurer soit pour laine, soit pour œuf, et qui est tout simplement géniale. Donc ici, je vous ai mis le trailer à poule. Donc comment ça se passe? Vous allez, la palette que je vous ai montrée, vous allez la mettre ici. En la mettant ici, automatiquement, ça vient poser
cette cage à palette d'œufs directement et qui vont se remplir. Donc ce qui va permettre directement, vous n'avez pas besoin d'acheter, plus besoin d'acheter les modes palette d'œufs pour pouvoir venir les mettre dessus, ça le met tout seul. Il y a zéro bug et ça c'est encore génial, c'est-à-dire que vous n'allez absolument pas avoir de soucis au niveau du remplissage en vous disant qu'il n'y a plus la place, etc. Ça le fait vraiment exactement comme il faut, sans problème, et ça va en mettre beaucoup. On va accélérer le temps pour vous montrer un petit peu le nombre de palettes qu'on peut avoir et on se retrouve tout de suite. Donc on vient récupérer la palette d'œufs, montrer comment ça marche exactement. Et tout simplement, alors bien faire attention à bien mettre, là il y a écrit unloading side, donc c'est déchargement, bien le mettre dans le bon sens parce qu'en fait elle est orientée au niveau du trigger pour venir charger votre palette. Et tout simplement, voilà, vous voyez un petit peu la distance à laquelle ça remplit. Ça veut dire que vous allez pouvoir laisser votre remorque ici, aussi loin que ça, et ça va la remplir toute seule. Voilà. C'est, honnêtement, je pense qu'on est arrivé à un point de l'autoload des produits animaliers qui est absolument génial. Donc je vais laisser cette remorque ici, je vais l'amener celle de la laine pour vous montrer un petit peu de l'autre côté. Regardez juste le détail des connexions, voilà, c'est tout simplement génial. Et pour venir décharger ou vendre, vous avez juste à venir sur le point de vente et ça se vend automatiquement, aucun problème non plus. Voilà, ce mode, j'ai pas trouvé du tout de bug, ce qui est plutôt très convaincant. Donc voilà, celle-ci pour la laine, donc ce qui est plutôt sympa aussi pour les reconnaître, vous avez le petit mouton. Hop, on vient dans mon petit... on vient récupérer la laine ici. Dans mon petit pâturage, mon petit pré que j'ai mis ici. Alors vous voyez, j'ai mis qu'une seule palette exprès. Vous avez certains triggers à laine qui sont plus grands. Donc là, je pense qu'on peut en mettre au moins deux, voire trois. Donc ça va remplir tout ça. Donc on a trois rangées sur deux. On peut donc avoir 12 palettes de laine. Donc vous voyez bien que, hop, encore une capopée. Donc on a 1000 litres par palette. Donc voilà, ce qui est plutôt génial. Au passage, cette grosse palette-là, elle se transporte tout simplement avec n'importe quelle transpalette ou avec le manipulateur de Big Bag, hein, comme je vous ai pu le montrer avant. Donc voilà, ça se passe très très bien. Ce mode est absolument génial. Vous venez là. Et vous venez récupérer, voilà, ça s'autoload tout seul. C'est magnifique. Je vais vous amener au point de vente hein, pour vous montrer qu'il n'y a pas de mystère. Ce que j'aime particulièrement aussi avec ce mode, c'est que quand vous allez au point de vente, ça va pas juste faire un vidage approximatif, où vous dites « Ah, faut que je recule, faut que j'avance », un petit peu avec les autres qu'on avait un peu avec le conteneur palette qui est juste de l'autre côté. Vous avez le trigger qui apparaît, ça je trouve génial, R1 triangle, et vous déchargez comme si vous déchargez une remorque à une vitesse bon, qui est plutôt respectable. Et donc voilà, ça se fait tout seul, et c'est parfait. Donc voilà un petit peu pour ce mode. Autoload de produits animaliers. Et donc un autre petit mode, ce Tatra Phoenix, donc c'est ce mode là. Vous le trouvez bien évidemment dans les camions. Juste ici, Phoenix IT Runner Edition. Donc c'est un IT Runner qui coûte 108 000 euros, 462 chevaux que vous pouvez augmenter. Qui a plusieurs configurations, donc pas mal de couleurs et pour la couleur principale et pour les jantes. En configuration, vous pouvez rajouter un attelage à l'arrière, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez pour tout ce qui est gyrophare, donc soit deux gyrophares, soit on rajoute à l'arrière des petits gyrophares aussi ici, en plus des deux gyrophares qu'on a au-dessus. Et au niveau du moteur, donc soit le 460, soit 640, configuration des roues soit en standard, soit en pneu large. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'options, mais comme c'est Shaba qui l'a fait, donc le créateur de la map La Coronera 2.0, je voulais vous le montrer aussi.
Donc une fois qu'on est dedans, voilà, il me semble que c'est le son classique, le klaxon classique, voilà, rien de spécial. Vous pouvez mettre des sangles à l'arrière. Hop, vous pouvez charger la benne. Vous avez les gyrophares du coup au-dessus. J'ai pris la totale, hein, donc les gyrophares aussi. Le gyrophare à l'arrière. Les lumières, hop. Là, c'est... Voilà. Avec les gros devant, donc ça éclaire plutôt bien. Vous avez la vue. Hein. Oh, avec la... j'avais pas vu les petits Mac Giants dedans. Ça, c'est un mode qui a été fait aussi. Donc, il est plutôt joli. Oh, bah voilà, le deuxième mode avec l'heure qui est indiquée. Bah dis donc, c'est vraiment super sympa. C'est très joli en fait, la vue intérieure, je vous avoue que j'avais pas trop regardé. La vue intérieure est très jolie, tous les compteurs tournent, etc. Quand vous allumez... Ah, par contre, ça indique pas que vous avez allumé. Bon, ça, c'est dommage. Les clignots non plus ne sont pas indiqués. Ça aussi, c'est dommage. Bon, ça aurait pu être un sans faute, c'est pas le cas, tant pis. En tout cas, c'est bien joli, bien sympa. Tous les rétros fonctionnent. Voilà. Les clignots sont très visibles. Voilà. Donc voilà, petit mode bien sympa aussi. Alors, maintenant que je vous ai présenté un peu tous les modes qui étaient intéressants, je vais vous parler du coup de la suite. Donc, vous avez vu, on est déjà passé à... Alors, on est passé il y a quelques jours, 3-4 jours, à 500 abonnés. En 3 jours, on est passé à 600. Maintenant, je crois qu'on est genre 640 abonnés. Vous êtes des fous, c'est trop bien. J'aurais jamais imaginé ça en commençant il y a un peu plus d'un mois que j'arriverais à ça. Ça me conforte vraiment dans le sens où vous aimez ce que je fais et donc je vais essayer d'aller encore plus loin avec vous. Alors, l'idée, c'est que je vais faire une vidéo spéciale 500 abonnés et en fait, ça sera pas juste une vidéo, je vais commencer une série. Vous êtes un petit peu nombreux à m'avoir demandé si c'était possible de faire un let's play et du coup, je vais vous écouter. Donc à savoir que bien sûr YouTube c'est pas mon job, j'ai un autre travail à côté qui me prend pas mal de temps et c'est pour ça jusqu'à maintenant je voulais pas faire de vidéos de let's play parce que je voulais faire en priorité les vidéos tuto pour vous expliquer, pour expliquer à ceux qui sont plus récents, qui ont jamais joué et qui viennent de commencer ou même à ceux qui ont déjà joué depuis un petit moment mais qui connaissent pas certaines astuces que j'ai pu glaner à droite, à gauche. Donc c'était vraiment ça qui me tenait à cœur. Du coup, l'idée, à partir peut-être pas tout de suite, mais dans 2-3 semaines, je pense, au moment où elle va arriver, ça sera d'essayer de faire une vidéo par semaine, donc de style tuto, astuces, etc., que j'ai fait jusqu'à présent, et une vidéo aussi par semaine pour faire donc ma série, un petit peu let's play. Alors, cette série, j'y ai beaucoup réfléchi. Honnêtement, j'ai mis beaucoup de pensées dedans. Je vais faire une série let's play qui sera un petit peu roleplay mais pas complètement parce que complètement roleplay ça demandera beaucoup de temps et ça demanderait beaucoup de temps entre les épisodes aussi pour pouvoir avancer, pour que vous ayez du contenu. Donc ça va pas être complètement roleplay mais quand même un petit peu, vous verrez. Je vais essayer d'y mettre un peu du narratif parce que c'est ce que j'aime moi quand ça raconte une histoire, pas uniquement du côté technique. Il y en aura aussi bien sûr par rapport au mode que je vais utiliser. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose, peut-être que les premiers épisodes, ils seront... je vais me chercher un petit peu, mais je vais vous sortir, j'espère, quelque chose qui sera d'assez haut niveau. En tout cas, je vais vraiment y mettre toutes mes compétences dedans. Mais j'ai besoin de vous. En fait, j'ai besoin de vous pour savoir comment commencer. C'est-à-dire, déjà, j'ai besoin de vous pour savoir sur quelle map commencer. Je vais vous l'expliquer dans un instant. J'ai besoin de vous aussi pour savoir... qu'est-ce qu'on va mettre dedans au niveau de difficulté. C'est-à-dire, je vais commencer, c'est ça me tient à cœur par contre, je vais commencer à partir de zéro. Donc c'est-à-dire en n'ayant absolument rien, j'aurai uniquement un véhicule, mais un véhicule que j'aurai avec de l'argent en fait que j'aurai emprunté. Donc je vais commencer avec un petit prêt et un véhicule. Ça aura du sens, et ça c'est très important pour moi, ça aura du sens comment est-ce que je suis arrivé là, avec ce véhicule, avec cet emprunt, pourquoi est-ce que j'ai plus de thunes, etc. Voilà, ça aura du sens et c'est vraiment tout le sujet de la série, que ça ait du sens. Il y aura quand même du fun, ça je vous le avertis aussi. Il y aura beaucoup de fun dans cette série, mais il faut que ça ait du sens. Ensuite, je vais avoir des règles, c'est-à-dire que déjà, je ne veux pas faire d'emprunt à part celui que j'aurai au tout début, à part si ça change, mais voilà, c'est des règles qui peuvent changer pendant la série, mais je ne veux pas faire d'emprunt. La map pourra changer au cours de la série, c'est-à-dire que si jamais les nouvelles maps qui arrivent qui sont vraiment bien, toujours en ayant du sens, je serai peut-être amené à en changer. Je ne changerai pas de véhicule en faisant comme ça, d'accord. Je vais vraiment
je vais vraiment voilà, ben, sortir, aller à la prochaine et revenir dedans. Si je veux aller d'un véhicule à l'autre, dans la map, de sauter d'un véhicule à l'autre pour me téléporter, je vais simuler que j'ai pris un taxi par exemple. Et donc je paierai une somme, je pense que ça va être dans les 100 euros. On pourra voilà, voir avec vous. Donc ça c'est les choses sur lesquelles je suis assez sûr que je veux vraiment mettre en place. Alors en économie je pense que je serai en normal parce que j'ai pas non plus en plus que ça soit trop dur, c'est pas ce qui est recherché. Je vais mettre en place des objectifs, donc ça j'ai besoin de vous, de vos idées, j'en ai quelques-unes déjà, mais en commentaire vraiment et dans le forum, mettez-moi des objectifs à atteindre avec des bonus, c'est-à-dire par exemple pour 200 000 euros bah voilà je sais pas, avoir 14 champs, alors ça c'est n'importe quoi mais voilà. Des idées, mettez-moi ça en commentaire et dans le Google Form que je vous laisserai des options pour le remplir. Également, j'ai besoin de vous par rapport aux options, c'est-à-dire que là, qu'on vient ici, on a tout plein d'options, donc il y a certaines, voilà, donc difficulté, je mettrai en normal, je mettrai le trafic routier tout le temps, voilà, je veux que ça soit vivant ce let's play, je veux que ça soit vécu, qu'il y ait des gens, voilà, donc je veux avoir du trafic routier. Les salissures, je les laisserai en normal, voire peut-être en rapide, on verra, parce qu'en fait, en rapide, en fait, les salissures, si vous le saviez pas, ça va augmenter la rapidité à laquelle il faut réparer vos véhicules, donc ça, c'est important. Ensuite, la consommation de carburant, je pense que je le mettrai par défaut, voilà, pour que ça puisse aussi être plus réaliste. Tout ça, je désactiverai pour que mes ouvriers ne fassent pas tout automatique, pour que ce soit plus réel. La croissance des cultures, je laisserai en rapide. Alors, tout simplement, pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Pour commencer, je ne commencerai pas avec le mode saison. Je sais que ça aurait plu à beaucoup, donc j'espère que ça ne va pas trop en décevoir. Mais je ne commencerai pas avec le mode saison pour ne pas en avoir trop en même temps. Il est possible que lorsque je changerai de map... très probable que je passe aussi en mode saison au moment où je change de map. Ensuite, là, alors j'ai besoin de vous ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous demander de choisir deux éléments. Donc, soit fanaison des cultures, soit destruction des cultures, soit labourage perdu croquis, soit chou-requise, soit mauvaise herbe. Dans toutes ces options, je vais vous en demander deux que vous choisirez pour qu'on mette oui. Et pour voilà corser un petit peu la difficulté, peut-être qu'avec l'avancement de la série, on rajoutera une. Peut-être que ça peut faire partie d'un palier. Par exemple, que pour 200 000 euros, ben, on active trois choses comme ça pour 400 000 euros, etc. À vous de voir. Mais voilà un petit peu les règles. Oula, on n'a pas regardé, on a fait un gros. Bon, c'est pas grave, ça sera plus simple à ramasser avec l'ensileuse. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut être fait. Toutes les options, je pense que j'en ai pas oublié, si j'en ai oublié, de toute façon je les mettrai dans Google Forms pour les choses dont j'ai besoin que vous m'aidiez, mais vraiment vraiment j'ai besoin de vous, c'est une série que je veux construire avec vous, c'est à dire que je vais continuer à chercher des modes intéressants comme par exemple ce petit John Deere qui est magnifique avec un bruit de ouf. Voilà, donc toujours je vais essayer d'innover, je vais essayer d'avoir des équipements qui seront récents au niveau des modes qui sortent dans cette série là et à chaque épisode je vais essayer de m'engager pour que vous puissiez avoir le choix, donc à chaque épisode il y aura un Google Forms pour que vous puissiez choisir entre deux équipements à acheter pour l'épisode suivant. Voilà, je vais essayer de faire, voilà, je veux qu'on le fasse ensemble, peut-être que je vous mettrai aussi des fois de temps en temps bah voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut faire ça ou ça. Pour qu'on fasse tout ça ensemble, c'est une aventure que je veux voilà, qu'on fasse absolument ensemble. Donc voilà un petit peu, c'était la surprise. Attendez-vous à du lourd pour le premier épisode. J'espère que ça va bien se faire. Voilà. Aussi, bien sûr, il y aura peut-être du multi de temps en temps, pas tout le temps, mais du multi de temps en temps. Peut-être qu'il y aura certaines personnes d'entre vous qui seront invitées à venir faire un ou deux épisodes avec moi pour m'aider à avancer dans la ferme. Donc voilà un petit peu ce gros projet de Let's Play. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais petit à petit, je suis en train de aménager ma petite No Man's Land map de test pour que ce soit un peu plus joli pour les tests. Et puis voilà, quand je m'ennuie un peu, je fais ça aussi. Bref, on s'en fout, c'est pas le thème. Mais voilà, I need you, aidez-moi, j'ai besoin de vous. Donc pour la première map que je propose, vous avez Les Chazés, qui est une très belle map, qui est française, mais qui a quand même très peu de fonctionnalités, et peut-être que vous avez aussi un peu marre de la voir un peu partout. Mais voilà, première option, Les Chazés.
Vous avez bien sûr la Coronella 2.0, une carte qui m'est chère, sur laquelle j'ai fait des très beaux tutos, qui est très très belle, très fonctionnelle, avec vraiment plein de particularités qui lui sont vraiment attitrées. Et avec également tout un fonctionnement d'usine qui serait absolument parfait pour un mode histoire. Mais bon voilà, peut-être que vous en avez déjà assez vu de la Coronella 2.0. En tout cas, c'est un des choix. Lubelska Dolina, une très belle et grande map polonaise qui n'est pas vraiment connue, mais qui vraiment vraiment a un charme fou et j'ai vraiment vraiment envie de passer dessus. Donc voilà pourquoi elle est dans cette sélection. Avec de très 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 beaux paysages, tous plus différents les uns que les autres, énormément de détails, du vallonnage, enfin voilà, c'est une map qui est pour moi une des plus belles sur PS4. Et enfin, la map Six Ashes, donc une map anglaise qui a un potentiel monumental pour faire un let's play plutôt axé narratif. Voilà, avec vraiment la possibilité de racheter la ferme du grand-père et de la remettre en état, mais également plein de fonctionnalités intéressantes sur la map, une map qui est truffée de détails, truffée d'éléments interactifs, de choses nouvelles, et donc qui est une sérieuse candidate que je vous demanderai aussi de considérer dans ce choix de map. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi aussi si vous voulez plus de vidéos comme ça, où je revois un petit peu les modes de la semaine, des semaines passées. En tout cas, n'oubliez surtout pas de remplir le form qui est dans la description pour qu'on puisse avoir une vidéo aussi monumentale que ce saut. C'est excellent. Voilà, je vous promets tout simplement une prochaine série aussi monumentale que le saut qui vient d'arriver. En espérant sans ce genre de bug, mais voilà. N'hésitez pas à me commenter, à vous abonner, et puis à très bientôt pour cette saison de folie. Allez, d'ici là, à la prochaine !